Bonjour à tous. Voilà, pendant cette période de confinement, me revoilà parmi vous. Ben oui, donc j'avais deux, trois petites choses à vous dire. Et comme d'habitude, je ne vais pas attendre que les gens arrivent parce que les gens font ce qu'ils veulent. Ils sont en confinement, ils font la sieste, ils regardent la télé. Je sais que sais-je, moi. Bon, d'abord, je voulais vous dire que bonjour à tous, déjà, tous ceux qui viennent, tous ceux qui seront là et tous ceux qui viendront en cours. J'espère que tout le monde va bien, que il n'y a pas trop de soucis avec vous et que bah, vous prenez soin de vous. Et si j'ai un conseil à vous donner déjà d'entrée, c'est booster vos défenses immunitaires. Alors, ça a toujours été quelque chose qu'il fallait faire, parce que c'est tout à fait normal de booster ses défenses immunitaires, parce que ça évite les rhumes, ça évite les grippes, ça évite toutes petites maladies bénignes qui peuvent être soignées juste parce que vous avez une bonne défense immunitaire et qu'à partir de là, eh ben, vous serez moins apte à choper n'importe quoi parce que votre corps sera capable, lui, de se défendre toutes les agressions extérieures. Deuxième chose, donc pendant ce confinement, je me suis dit que ce soit des lives comme je fais en ce moment, parce que bon, j'en profite hein, pendant que monsieur fait la sieste. Je profite de ce moment pour discuter avec vous. Donc, je voulais vous informer que mes vidéos porteront maintenant le nom de Suivez le lapin blanc. Ça parlera à qui ça parlera. Hein? Voilà. Toujours est-il que si les vidéos que je fais ne portent pas le nom Suivez le lapin blanc à partir de maintenant, Suivez le lapin blanc ou pas. Vous avez le choix. Elles ne sont pas de moi. Exactement. Positiver, le virus fréquent fonctionne sur la basse fréquence. Merci Thierry de nous le rappeler. Exactement. Plus vous êtes positif et moins vous avez peur, bah ça aussi, ça aide les défenses immunitaires à prendre, à booster. Donc, si déjà vous les boostez avec des compléments alimentaires ou si vous n'avez pas la possibilité de manger beaucoup de fruits et légumes pour des raisons X ou Y, eh ben, complétez tout ça avec des compléments alimentaires qui se vendent en pharmacie, qui ne sont pas extrêmement chers et qui sont très efficaces. Moi, je me suis fait ma petite pharmacie de compléments alimentaires pour booster mon immunité. Parce que comme j'ai suivi, enfin j'ai suivi, non. J'ai fait une sleeve il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une sleeve, mais une sleeve, c'est diminution de l'estomac, tout simplement. Parce que j'étais en état de. J'avais pris du poids. Et mon IRM était en état morbide, donc j'ai dû, j'avais pas d'autre solution que prendre des compléments alimentaires si je veux booster mon immunité parce que je mange des petites doses et donc dans les petites doses que je mange, je n'ai pas assez de vitamines et de tout ce qu'il faut pour le booster. Donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, on est donc dans eh ben, la semaine de Pâques. Et donc comme nous sommes dans la semaine de Pâques, on va bientôt avoir les œufs de Pâques, les cloches de Pâques et les lapins de Pâques. D'où le fait que j'appelle maintenant. Je mettrai en titre Suivez le lapin blanc pour 2 raisons. On est à Pâques, premièrement. Et deuxièmement, le lapin de Pâques, le lapin blanc se rapporte aux vérités de chez QAnon. Voilà, Suivez le lapin. Donc, si vous connaissez QAnon, vous saurez de quoi je parle. Voilà. Donc, ce matin, je suis sortie. Oh, je suis sortie.
j'avais mon gel qui me servait à rien puisque c'est un gel antibactérien et non pas un gel antiviral. Voilà, parce qu'il y a deux gels hydroalcooliques. Hein. Le plus vendu, c'est le gel antibactérien. Voilà. Va vous nettoyer les bactéries, les microbes, des mains, etc. Mais ça ne changera rien en ce qui est du système viral. Ça ne tuera pas les virus, quels qu'ils soient. Hein. Ça, c'est un fait. Bon, alors attendez, je vais couper un peu le son. Je vous demande 30 secondes parce que c'est juste pas possible. Alors, si j'arrive à couper le son, ça serait bien. Sinon, parce qu'avec tous les trucs que j'ai, non, j'arriverai pas. Tant pis. Je vais pas couper pour relancer après, ça serait idiot. Alors, oui, l'huile essentielle est très efficace. D'ailleurs, je me suis fait un petit mélange à moi. Je me suis fait un petit mélange à moi à base d'alcool, d'aloe vera et de quelques huiles essentielles que j'ai mis dedans, que j'ai mélangées de façon à pouvoir... Mais c'est vrai que il n'y a aucun souci là-dessus, ça peut marcher aussi. Donc je suis sortie ce matin. Alors à la base, je voulais aller chercher des plantes tomates. Je cherchais des plantes tomates, mais il n'y en a pas. Pas encore, ils sont pas encore arrivés. Donc du coup j'ai fait un détour par Auchan. Bah ouais, je me suis dit allez, qu'est-ce que tu as à craindre ma vieille, rien du tout. Donc faire un petit tour par Auchan et je me suis fait plaisir. Donc je me suis acheté de quoi. Donc ça c'est, j'ai pris ça pour mon fils en fait. C'est même pas pour moi, c'est pour mon fils. Voilà. C'est très bien. Je trouve ça génial parce que vous voyez, vous avez un petit pinceau là, et puis il y a juste à le mouiller. Et les couleurs, une fois que le pinceau est humide, les couleurs sur le dessin se font automatiquement. Voilà, les dessins se font automatiquement. J'avais déjà commandé ça il y a quelques temps, et puis j'ai trouvé que c'était sympa, puis ça lui plaisait bien, donc voilà. Moi, pour moi, je me suis pris ça. Voilà, les dessins à l'intérieur, des mandalas. J'adore. Ça me déstresse, ça me fait penser à autre chose. Ça me coloriage, méditation aussi. Voilà. Voilà, je ouvre des pages au hasard. Voilà. Donc, c'est des couleurs. Ça vous fait du bien dans le sens où bah, vous vous déconnectez un peu de la réalité, vous faites un peu vivre votre imaginaire, vous changez les idées, vous pensez à autre chose. Et la créativité, très important en ce moment, la créativité. Puis bon, bah, des petits crayons qui vont bien avec et pour compléter les feutres que j'ai déjà. Voilà. L'autre chose, c'est que... Ah bah c'est ça que j'ai oublié d'acheter, mince. C'est de la crème protectrice. Ouais, parce que j'ai un souci, moi. Il fait super beau. Je vous assure, il fait un soleil magnifique. Alors attendez. Voilà, ça va bouger un peu. Et vous allez voir le temps que j'ai ici. Voilà comment ça se passe ici. On a un temps magnifique. J'espère que vous avez pu voir, on a un temps magnifique avec un soleil. Bon, il y a du vent, c'est vrai, mais bon, je m'en fiche. Hein. On a un temps magnifique, sauf que voilà, je suis obligée de me mettre de la crème solaire haute protection sous mes vêtements parce que je fais partie des gens qui prennent des coups de soleil. Coucou Emma, coucou Giuseppe. Je fais partie des gens qui attrapent des coups de soleil sous les vêtements. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. J'en ai parlé à l'infirmière qui vient voir mon mari tous les jours. Et elle m'a dit qu'effectivement, elle avait une collègue aussi qui avait le même problème.
à choper des coups de soleil sous les vêtements, hein, que ce soit une épaisseur, deux épaisseurs, trois épaisseurs, peu importe, quel que soit le vêtement qu'elle porte, quel que soit des pantalons, des jupes, des trucs comme ça, elle chope des coups de soleil. Donc, je sais pas d'où ça vient, depuis pas longtemps, en fait, ça dure depuis l'année dernière. Fin de l'année dernière, ça a commencé. Je me mettais au soleil, je me retrouvais avec des super plaques sur les jambes, coup de soleil. Bah, je sais pas pourquoi, bref, toujours est-il que. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est comme pour le 1er avril. Hein. Alors, j'ai des choses à vous dire, forcément. Ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas rester trop longtemps à l'écart sans annoncer des bonnes nouvelles. Et donc, comme on est sur le week-end de Pâques, donc le petit lapin blanc m'a apporté des informations. Eh oui, celle-là. Eh oui, voilà. Des informations que je savais déjà, mais que je partage avec vous parce que je les ai partagées sur ma page. Et mais bon, faut croire que les vidéos ont plus d'intérêt. Donc, je vous les partage maintenant. Alors, j'ai vu le petit lapin de Pâques, un petit lapin blanc. Mamie, hier, m'a montré une vidéo très intéressante. Hein, très intéressante. Et j'en ai eu confirmation. Les hôpitaux sont vides. Alors, comment vous expliquer ça? On nous dit, à la télé, on nous dit que les hôpitaux sont blindés de cas, que ça dépasse l'entendement, qu'il y a des queues inimaginables pour que les gens se fassent dépister, parce qu'il y a des... Enfin bref, on vous raconte tout, n'importe quoi. J'aime autant vous dire qu'il y avait plus de monde à Auchan ce matin que le jour où j'ai été emmener mon mari à l'hôpital pour qu'il se fasse opérer. Il y avait peanuts, personne. Les gens étaient dehors, enfin les gens, les aides-soignantes, les infirmiers étaient dehors en train de faire une pause. Ils avaient leur masque, bien sûr, ils étaient protégés, mais pas de queue, rien. Alors je vous parle de Pasteur. Mais on m'a aussi informé ce matin que c'était... Alors, il y avait Pasteur, Larcher, c'est quand même des grands hôpitaux sur Nice, hein, Pasteur, Larcher, Saint-Georges. Pardon, j'ai un appel de travers, tellement ça me chauffe. Peanuts. J'ai vu une vidéo où quelqu'un... Alors là, je lui tire mon chapeau, hein, franchement, le gars au taquet... bonjour Christian, le gars au taquet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son portable et il a été voir certains hôpitaux sur Toulon. Pareil, personne, vide, les hôpitaux sont vides. À croire que, à se demander s'il y a vraiment quelqu'un dans les hôpitaux. Et je vous parle aussi des personnels hospitaliers ou quoi que ce soit. C'est à droite, à gauche, mais rien. Alors dehors, on vous met des super tentes, hein, prête à venir accueillir tous ces gens qui soi-disant ont été atteints de ce virus et qui sont à l'article de la mort. Finalement, il n'y a personne. Personne. J'en ai eu la confirmation parce que j'y suis allée moi-même. Personne. Quand j'étais emmenée mon mari et ça fin mars, donc on était en plein confinement déjà, hein, c'était déjà personne. Alors oui, vous avez des sièges, vous avez des endroits qui sont réservés pour les gens qui sont atteints du coronavirus. Sauf que ces endroits sont vides. Alors, où sont passés tous ces milliers de personnes soi-disant atteintes et qui sont dans des cas très importants? Alors attention, je ne vous dis pas que ce n'est pas vrai. Je ne vous dis pas que ce virus n'existe pas. Je ne vous dis pas que il n'est pas contagieux. Enfin bref, je ne dément pas, parce que c'est pas mon rôle, je suis pas là pour faire affirmer ou démentir quoi que ce soit, sauf que
La seule chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est sur les médias. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pour ça que je ne supporte plus de les regarder, ces médias. Ça me ressort par les yeux, mais alors d'une force inimaginable. Tiens, vous mène droit où veut que le système aille, c'est-à-dire dans la peur. Voilà. Alors, en vous montrant des films qui ont été composés, c'est même pas du vrai, parce que vous ne pouvez pas dire que c'est du vrai. À partir du moment où c'est les médias qui le postent, vous pouvez être sûr que, allez, entre 90 et 99% des informations sont fausses. Donc, il vous reste 1% de choses qui sont vraies. Enfin, c'est-à-dire quand ils vous annoncent des bonnes nouvelles au final, hein, parce que les mauvaises sont fausses. Voilà. Donc, encore une fois, je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Je veux juste dire qu'on en fait toute une histoire pour faire peur, pour maintenir les gens dans la peur et pour que les gens soient bien confinés et pour que les gens se coupent bien les uns des autres, hein, parce que même avec le masque, il ne faut pas dire bonjour au voisin parce que on ne sait jamais. Hein, des fois que le voisin, il vous l'envoie à travers le masque, je ne sais pas. Hein. Alors ce matin, je me suis fait un petit peu rabrouer par quelqu'un qui était là au champ, au niveau des caisses et qui m'a dit, mais on n'avait pas de masque. Mais j'ai dit, non, j'ai pas de masque. Je ne fais pas partie des gens qui ont le droit au masque. Parce que le masque est obligatoire à partir du moment où vous l'avez. Le problème, c'est que moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Voilà. Je fais partie des gens qui n'ont pas le droit d'avoir un masque. C'est comme ça. Les pharmacies n'ont pas le droit de vendre des masques ni de les donner. Ils sont réservés au personnel soignant, ce qui se comprend. Et ils sont réservés à la police. Ils sont réservés, bon voilà, tout ça. Et nous, le peuple, on n'a pas le droit au masque. Bon, après, ça ne me dérange pas, hein, parce qu'il y a juste à aller sur Internet, comment fabriquer son masque tout seul, vous l'avez. Peut-être même plus efficace que ce qu'on veut bien vous donner. Ils veulent qu'on reste à la maison. 5G installation, crise éco, reprise en main, dictatoriale du système. 5G, contrôle mental des populations. Alors oui, le contrôle mental des populations, je suis tout à fait d'accord, c'est par la peur. Voilà. Alors, à force, je me répète un peu, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, mais ouais, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les gens, quand ils ont peur, ils deviennent dingues. Les gens, quand ils ont peur, ils deviennent dingues. Ils n'osent plus parler, ils n'osent plus sortir, ils sont confinés. Si vous vous sentez bien dans votre peau, que vous dites, ouais, mais bon, ça va bien 5 minutes, la peur, mais vous êtes pris pour un pestiféré. Limite, s'il y a un flic dans le coin, on va aller le chercher pour vous faire embarquer parce que vous savez pas ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre masque. On se croirait pendant la guerre de 39-45, là, ou peut-être que je me trompe dans les dates, j'en sais rien. De toute façon, je vous ai dit que ça ne m'intéressait pas. Mais bon, on se croirait pendant la guerre avec les Allemands, où il fallait absolument être comme ça, comme ça, comme ça. Alors c'était bien. Ça fait des années qu'on se fout de la gueule des Chinois, hein, parce qu'ils portent leur masque. Hein. Sauf que maintenant, c'est nous qui passons pour des cons. Parce que le masque, on ne l'a pas. Et on en aurait besoin. Enfin, certains pensent qu'on en aurait besoin. Moi, j'en ai rien à foutre. Parce que de toute façon, les masques qui sont pour nous, hein, c'est des masques qui ne valent rien. Hein. Au bout de 4 heures, votre masque, il est niqué. Niette. Hein. Donc, c'est bien de se balader avec un masque sur le visage toute la journée, mais il servira à rien. C'est pareil pour les gants. Vous avez des gants, c'est bien, les gants, ils sont contaminés. Donc, vous allez toucher des trucs, vous allez toucher un machin. Enfin, dans l'hypothèse où, hein, c'est du gros n'importe quoi. En ce qui me concerne, je pense. Moi, j'en suis persuadée, hein, c'est ce que je pense, c'est ce que j'en sens, c'est du gros n'importe quoi. On veut vous maintenir dans la peur. Comme ça, vous restez tranquillou chez vous, et pendant ce temps-là, ils peuvent me faire leur vie à leur façon, faire leur petite sauce, leur petite magouille, etc., etc. Voilà, donc
Ça, c'est une première chose. Moi, j'ai pris quelques petites infos parce que il y a tellement de choses à dire et tout. Ah oui, alors le petit lapin blanc aussi m'a parlé des bateaux. Je crois que je vous ai déjà parlé des bateaux hier, hein, des bateaux en Amérique qui se déploient actuellement pour aller défendre, pour aller accueillir tous les gens qui sont malades du virus. Bah ouais. Sauf que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. En fait, le petit lapin blanc, il m'a dit, le petit lapin blanc, il m'a dit que ces bateaux servaient à aller chercher les enfants qui avaient disparu. Vous savez, on vous a parlé. Vous avez entendu parler de la pédocriminalité, de la pédocriminalité sataniste et tout ça, mais vous n'en avez pas tenu compte. Non, ça passait au-dessus parce que c'est tellement gros et tellement affreux qu'on se dit que c'est démoniaque. Bah, figurez-vous que c'est le cas. Voilà. Donc, si vous avez fait des dons, si vous avez fait des dons, hein, à la fondation Clinton et Gates, super. Parce que ces gens-là, au final, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent vos enfants, ils les maltraitent, ils les tuent et leur servent pour faire leur rituel. Bah ouais. Ils leur servent pour faire leur rituel. Et qu'est-ce qu'ils font? QAnon a lancé des infos en disant, enfin toujours d'après le petit lapin blanc, hein, moi c'est lui qui me le dit, hein, Q déploie les bateaux pour aller sauver les enfants que la fondation Clinton et Gates avaient kidnappés. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout pour le virus. Non, 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 c'est pas du tout pour le virus. Parce que il y a assez d'hôpitaux en Amérique qui sont relativement bien équipés, même si les journaux vous disent le contraire, qui sont relativement bien équipés pour accueillir les personnes qui sont atteintes de ce virus et qui ont besoin d'être aidées. Ces bateaux sont là pour aller défendre les enfants. Voilà. Les enfants. Mais bien sûr que ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais Thierry, je m'en fiche qu'ils ne vont pas me croire. Moi, je te dis ce que me dit le lapin blanc. Maintenant, ils me croient, on ne me croit pas, je m'en fiche. Tu sais, le fait de passer pour une hallucinée, une uluberlue, ça ne me pose aucun souci. Moi, je te dis juste ce que l'on m'a dit, voilà, et ce que j'ai été voir et chercher dans des sites hein, qui sont relativement au courant, hein, donc voilà. Et ça, je le savais, hein, j'avais pas besoin que le petit lapin blanc me le dise, hein, pour que les enfants étaient kidnappés, malmenés, etc. Voilà. Et d'ailleurs, les enfants, on continue, hein, parce que ça se passe d'un côté, mais d'un autre côté, hein, c'est encore le double côté de la médaille, hein, d'un côté on souffre des enfants, de l'autre côté on en reprend, on en revole. Maintenant, dans certains endroits en Amérique, on vient carrément aller chercher dans la famille, voir, peut-être bien que ça s'est déjà passé en Europe et tout. On vient carrément aller chercher dans la famille parce qu'ils trouvent X ou Y raison pour venir vous prendre vos enfants dans la famille. Et qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en font, ça? Alors, il semblerait aussi qu'il y a une nouvelle drogue qui est sortie là, très, très, très puissante. Ah ouais, celle-là, elle débat, alors d'après le petit lapin blanc toujours, hein, celle-là, elle défonce tout. C'est l'adrénochrome. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein.
Allez voir sur Google Adrinochrome. Adrinochrome. Allez voir. L'adrénochrome, grosso modo, c'est le sang des enfants torturés. On en a fait une drogue avec ça. Parce que soi-disant que ça empêche de vieillir et que ça donne plus de pêche. Ça donne plus de pêche, les gens redeviennent jeunes. J'ai mal à la gorge parce que j'ai plein de choses qui doivent sortir et ça bloque. Parce que je voudrais les sortir autrement, mais je voudrais pas blesser les gens, je voudrais pas voyez, les renfermer. Je voudrais ouvrir les gens et pas les enfermer. Le problème, c'est que il faudrait aller au-delà de ce que je dis et ça bloque parce que j'en dis pas assez. Sauf que c'est pas mon rôle de dire, c'est pas mon rôle de dire, c'est le vôtre d'aller le chercher, chercher l'information, aller chercher l'information. Donc c'est fait à partir de génomes humains, d'enfants, en bas âge, forcément, hein, parce que c'est là que ça se passe le mieux, c'est là que les enfants ont le plus de pêche et tout, et forcément, c'est là que c'est au taquet. Mais allez sur Google, hein, vous allez voir, hein, c'est bien parce qu'en fait, Google, maintenant, je sais pas. Je sais pas, peut-être que c'est parce qu'il y a un remaniement quelque part qui se fait pendant ce confinement qui fait que bah, les informations qui nous étaient cachées avant, on a un peu plus le pouvoir dessus. Ouais, on peut plus s'informer. Alors oui, quand je vous dis que le confinement ne sert pas seulement à rester cloîtré chez vous, qu'il y a des choses qui se passent derrière, bah, voilà. Hein. Pour info, alors attendez, parce que j'ai pris mon ordinateur pour le coup, parce que je vous parle sur mon téléphone. Mais avec l'ordi. Alors attendez, j'ai changé de lunettes. Parce que ces lunettes-là, c'est pour dessiner. Et là, je dessine pas, je discute. Donc j'en ai pas besoin de cela. J'ai besoin de cela. Voilà. On se voit mieux. Donc vous pouvez aller voir, je vous ai posté le plan. Donc c'est juste pour vous dire que bah, ceux qui sont chez QAnon sauront de quoi je parle. Donc c'est-à-dire c'est ce qui se passe maintenant derrière ce grand mouvement de confinement. C'est ce qui se passe. Parce que vous comprenez bien que si tout cela se faisait au grand jour, alors les gens qui sont déjà complètement à l'ouest, hein, complètement à l'ouest, mais c'est pas une critique au final, c'est juste parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. C'est la première fois de leur vie qu'ils sont confinés comme ça. Ils n'ont pas connu les autres guerres. C'est la première fois qu'ils sont confinés comme ça. Et bah, ils ont peur. Ils savent pas. Mais que va-t-il se passer demain? Bah, je sais pas. Il suffit de vivre au jour le jour et puis de voir ce qui arrive. Voilà. Et puis de garder confiance dans l'énergie du divin, c'est tout. C'est tout. Y a rien d'autre à faire. Il y a juste à voir. À voir. Vous voyez, c'est comme une séance de ciné, H24, 365 jours par an. Et vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est prendre soin de vous. Vous faire plaisir, d'ailleurs c'est pour ça hein, j'ai dépensé des sous, mais c'était pour me faire plaisir parce que j'avais envie de dessiner, j'avais envie de. Enfin, ça me fait du bien, ça me détend. Et tout ce qui fait du bien, qui détend, bah, c'est positif. Donc voilà. Ou alors prenez-vous un paquet de pop-corn et regardez le film se passer. Regardez le film. Même pas besoin d'aller au cinéma. Je veux dire, les cinémas, ils sont confinés de toute façon, mais pour aller regarder un film de science-fiction, allez pas au cinéma. Hein. Vous vous mettez. Vous regardez de temps en temps passer les infos sur Internet, le film il est là, hein, il n'y a aucun souci. Et je vous assure qu'il dépasse largement n'importe quel film de science-fiction que vous pourriez aller voir au cinéma. N'importe quel film.
le meilleur, le plus grand, le plus beau, enfin, le plus beau aussi, effectivement, le plus beau, le plus extraordinaire des films de science-fiction que vous pourriez voir en ce moment, ben, c'est celui qu'on vit là. Voilà. Donc, je vous ai posté un truc sur QAnon, le plan, hier, aujourd'hui et demain. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai posté aussi? Ah ouais, ce cher professeur Raoul. Oh là 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 là. Alors lui, moi je pense qu'il a mis un pied dans la fourmilière, mais alors quelque chose de royal. Ce professeur dont personne n'a jamais entendu parler, enfin pas moi en tout cas, hein, bon, pas concerné, hein, dont personne n'avait jamais entendu parler. Il y a ce virus qui sort et pof, le professeur, qui d'un coup se dit, bah, puisque Macron a dit qu'on était en guerre, hein, bah, on est en guerre, donc il faut sauver des vies. Ouais. Donc bah, moi, vu qu'il n'y a rien de disponible actuellement et que c'est quand même l'état de crise, bah, je vais prendre des médicaments qui ont fonctionné depuis de nombreuses années, hein, ça date pas d'il y a 10 ans. Hein, depuis au moins minimum 30 ans. Hein, minimum 30 ans. Ça a fonctionné. Ça a donné toutes ses preuves. Ça a fonctionné. Et ce cher professeur Raoul, qui avec ses airs un peu à la Merlin, il me fait penser à Merlin, c'est bien. Sérieux, si j'avais une tête à donner à Merlin, ça serait la sienne. Hein, ce super, super sorcier ou magicien, ou qui vous voulez. Voilà. Hein. Donc il est critiqué par son physique, parce que vous comprenez que un expert ne peut pas se permettre d'avoir des cheveux longs, ne peut pas se permettre d'avoir des bas gaulois, ne peut pas. D'où? Est-ce que son intelligence est dans ses cheveux? Je sais pas. Peut-être que s'il avait une coupe de cheveux plus dans les cases, hein, peut-être qu'on le croirait davantage, non? C'est parce qu'il a des cheveux longs et tout qu'on le prend pour le dernier des imbéciles. Je vous signale quand même que le professeur Raoul est d'une sommité qui est. Coucou Mimi. Le professeur Raoul est quand même l'une des sommités reconnues dans le monde, hein, au niveau de tout ce qui est. Virologie, etc. Hein, c'est pas un pantin. C'est pas un pantin qu'on vient de sortir au moment du virus. Hein. Ce monsieur-là, il existait déjà avant le virus. Ce monsieur-là a fait des livres avant ce virus. Ce monsieur-là était connu dans le monde avant le virus. Hein. Bon, nous, on le connaissait. Enfin, moi, je ne le connaissais pas puisque je n'étais pas trop concernée par la chose. Mais ce monsieur existait déjà. Et maintenant. Eh ben on dit que oh, il fait partie de la bande à Macron. Crotte alors, il fait partie de la bande à Macron. Ben non, il ne fait pas partie de la bande à Macron. Parce que, à mon avis, s'il ferait partie de la bande à Macron, il ne ferait pas tout ce qu'il fait. Ben non. Parce que il va contre toutes les lois là. Il est borderline. Hors concours, hors loi, hors tout ce que vous voulez. Il a fait des pétitions, il a demandé des pétitions, il a. Il est en train de révolutionner le système médical entier. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce qui se passe avec le professeur Raoul, mais il est en train de tout révolutionner. Grâce à lui, on ne sera peut-être pas obligé. Enfin, ceux qui veulent, hein, parce que ceux qui veulent pas. Hein, mais ceux qui ne veulent pas le vaccin, ceux qui veulent pas, ils sont peut-être pas obligés de l'avoir ce vaccin. Ben non, puisque le professeur Raoul a trouvé un traitement. Alors oui, évidemment, il a bien dit que ça fonctionnait sur les premiers symptômes. Bah ouais. Mais si on était testé dès le départ aux premiers symptômes, on aurait pu être soigné tout de suite et donc ne pas tomber malade jusqu'à au dernier stade, quoi. Le problème, c'est que voilà. Alors on a un professeur avec un traitement. Qui est pour les gens qui ont été testés positifs, sauf que, bingo, on n'a pas de test. Non. Nous, les tests, on les envoie ailleurs.
On les envoie ailleurs. Nous, on n'en a pas besoin. Hein. Non, bah non, non. Notre petit monarque, il a dit qu'on n'en avait pas besoin des tests. Non. Ou alors, il nous dit qu'on en a besoin, mais que très compliqué, très difficile à fabriquer les tests. Ouais. Bon. À l'hôpital de Marseille où est le professeur Raoul, des tests, vous en avez. Hein. Moi, je préfère croire le professeur Raoul hein, que de croire ce système avec notre petit monarque et tous ses petits copains qui sont là pour nous détruire, quoi, voilà, pour nous laisser crever dans notre coin. Hein. Voilà, mais heureusement qu'il y a des gens comme ça qui ressortent du lot hein, et qui fichent un coup de pied dans la fourmilière et qui se disent en temps de guerre, qu'est-ce qu'on fait? On sauve des vies. Voilà, et lui, bah, c'est ce qu'il fait. Bah ouais. Alors, du coup, fuck le vaccin. Bah ouais, je sais, il y en a qui vont dire que bah, ouais, non, mais moi, il me faut le vaccin, tu comprends, je veux être protégée, mais protégée de quoi? Protégée de quoi? Parce que tu vas avoir le vaccin, tu crois que tu vas être protégée, mais de quoi? De rien du tout. Tu seras protégée de rien du tout. Au contraire. Le vaccin risque de te rendre encore plus malade. Ah bah, il n'y a qu'à voir dans les EHPAD. Hein? À chaque fois qu'on donne le médecin pour la grippe, contre la grippe aux personnes âgées dans les EHPAD, ils meurent. Ils ne devraient pas. Si le vaccin est si bon que ça contre la grippe, les gens ne devraient pas mourir. Ils devraient être bien en bonne santé. Alors que les gens décèdent. Je ne comprends pas. Alors, si le vaccin qui, soi-disant, n'existe pas encore, mais qui, à mon avis, existe déjà, si le docteur Raoul est tellement mis à bas, c'est parce que il empêche tout ce qui est lobby pharmaceutique qui ont la mainmise sur le ministre de la Santé, de faire en sorte que les gens aient encore plus peur et qu'ils demandent à bras le corps ce vaccin hein, pour qu'ils ne soient plus malades. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça va les rendre encore plus malades. Voilà. Et les gens qui n'auront pas été malades, mais qui auront à tout prix voulu ce vaccin parce que ça va faire une barrière entre eux et le virus, bah pour le coup, ils auront le virus. Bah oui, parce que, juste pour information, qu'est-ce qui compose le vaccin et pourquoi il existe le vaccin? C'est pour vous inoculer le virus dans le corps, inerte ou mort, mais pour que votre corps développe des anticorps. Hein? Bien. Donc, bah pour le coup, après, vous l'aurez le virus. Ouais. Et le virus, bah, il n'est pas mort. Non. Il est en sommeil. Le virus est en sommeil. Ce virus-là, c'est un virus qui s'adapte à toutes les températures. Enfin, toutes les températures, peut-être pas. Il y a peut-être un moment donné où il ne peut plus. Hein. Donc, et il lui faut un autre. Bah, s'il n'a pas d'autre, il meurt. Il lui faut un autre. Voilà. En se disant que l'hôte, c'est nous, forcément. Et que bah, si on n'est déjà pas en bonne santé, bah, le virus, bah, il nous finit. Et voilà. Donc, le truc, c'est pour vous dire que grâce au traitement du docteur Raoul, qui fonctionne dans le monde entier, parce que les Chinois en ont parlé, les Américains, on en parlait, tout le monde, enfin tous ceux qui étaient contaminés, parce qu'au final, en Russie, non. En Russie, il n'y a pas de malade. En Russie, non, il n'y a pas de malade. Et donc, je comprends hein, qu'il n'y ait pas de malade. Hein. Ils ne font pas partie de l'Organisation mondiale de la santé, donc il n'y a pas de malade là-bas. Et puis, ils ne font pas partie de l'ONU non plus, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de malade. Ben non, puisque c'est l'Organisation mondiale de la santé qui. Qui c'est soi-disant censé nous protéger et qui au final nous rend malade, puisque plus on est de malades et plus on les enrichit. Voilà. Bon, moi je dis ça, je dis rien, hein. C'est le petit lapin blanc qui le dit, c'est pas moi. Moi je ne fais que de transmettre ce qu'il me dit. Voilà.
Donc, je vous ai posté aussi une vidéo très intéressante. Il faut mettre la traduction en français, mais elle est très intéressante. C'est sur les tunnels où étaient détenus les enfants et où les équipes de QAnon sont en train de faire le ménage. Je trouve que c'est très intéressant. Il faut vraiment pardon. Les gens qui n'y croient pas, je pense que vous devriez aller y faire un tour histoire de vous préparer petit à petit à ce qui arrive. Parce que vous allez voir, c'est vraiment très important. Je vous ai posté aussi une vidéo d'Eden Anonymous, alors qui a les informations pareilles comme QAnon, qui est au courant de beaucoup de choses, d'où le fait que c'est Anonymous, parce que sinon forcément on lui ferait la peau vu tout ce qu'il dit. Je suis pas sûre qu'il soit apprécié par les élites, pas sûr. Donc mais ce qu'il dit résonne très bien avec ce qui se passe actuellement. Vous devriez aller y faire un tour. Ouais. Vous avez l'effondrement du système mondial, hein, ce qui se passe actuellement, hein, les arrestations massives. Ouais. Et le petit, ce petit lapin blanc, il est très malin. Hein, il m'a dit que même la reine d'Angleterre était dans l'eau. Alors il y a la reine d'Angleterre, il y a le Vatican. Vous savez ce qu'il m'a dit sur le Vatican? Non, mais j'ai halluciné. Sérieux? Le pape a démissionné de son rôle de vicaire du Christ. Sérieux? Il a démissionné de son rôle de vicaire du Christ. Ce qui fait que maintenant, dans leur livre sacré de tous les papes et tout, avant il y avait François machin, maintenant il y a son nom. Il a démissionné de. Alors, mes parents m'ont toujours dit, de toute façon, qu'il y aurait, au bout du 25e. C'est marrant comme les anciens savaient des choses. Ils n'y croyaient pas spécialement, oui ou non. Ils savaient des choses, mais qui ressortent maintenant. Alors, je vous disais, mes parents m'ont toujours dit que, on leur avait dit que, au bout du 25e pape, ça serait la fin du monde. Bah, François, là, machin, c'est le 25e pape. Ah, j'ai ça, j'ai rien. Hein. Ouais, c'est le petit lapin blanc hein, qui me le dit, c'est pas moi. Hein. Donc, c'est le 25e pape. Donc, fin du monde? Fin du système? Ou ouverture vers un monde meilleur. Ah ouais. Bon. Quand je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. C'est le petit lapin blanc qui me l'a dit. Petit lapin blanc. Ah ouais, j'ai aussi posté une image de via BFM TV, c'est génial. Hein. Lavez-vous les mains, on s'occupe de vous laver le cerveau. Ah bah oui, bah ça continue. Alors là, je vais vous dire que pour un lavage de cerveau, c'est un lavage de cerveau. Il est là, il est au taquet, le lavage de cerveau. Ouais. Sauf qu'il y en a, hein, c'est comme les poussières en fait. On a beau nous laver le cerveau, mais on a toujours un morceau de poussière qui est là et qui en fait venir un autre, qui en fait venir un autre, qui en fait venir un autre, et qui dit, oh ouais, oh, les gars, il y a comme une soupe dans le potage, là, va falloir enlever le cheveu. Il y a une soupe dans le potage. Il y a un cheveu dans le potage, va falloir enlever le cheveu parce que ça merdonne, hein. Et ouais. On est dans un moment de désinformation totale parce qu'il se passe des choses que vous ne pouvez même pas imaginer.
Thierry, les basses fréquences personnes âgées, oui et non. Oui et non, parce que c'est vrai que c'est plausible pour les trois quarts des personnes, mais moi j'ai vu des personnes de plus de 70 ans se sortir très bien hein, de ce virus, s'en sortir très bien, parce que c'était des gens qui prenaient la vie. Voilà. C'était des gens qui étaient bien dans leur peau, qui avaient un système immunitaire capable de les aider à surmonter et qui faisaient tout parce qu'ils aiment la vie, point. Et quand tu aimes la vie, tu fais ce qu'il faut pour rester en vie, même si ton âme ne meurt pas, enfin pour que ton corps lui reste en vie, hein, parce que ton âme, elle va là où elle veut, quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut, peu importe, hein, nous. On est juste là pour faire l'expérience avec l'âme. Donc, si tu as 40 ans, un système immunitaire défaillant et que tu crois en rien et que de la vie, t'en as rien à foutre et que tu te demandes même ce que tu es venu foutre là parce que ça te passe au-dessus, il y a de fortes chances que que tu chopes ce virus, puisque de toute façon tu veux mourir. Alors bon, pourquoi pas? Par contre, il y a des gens de 70 qui ont la patate, qui ont la pêche, qui ont envie de vivre, et surtout qui n'ont pas peur. Qui n'ont pas peur, parce que c'est pas le tout de vouloir vivre. Vouloir vivre, ça veut dire abandonner la peur. Mais si tu veux vivre et que tu as toujours la peur au fond de toi, tu ne vis pas. Donc forcément. Mais il y a des gens, personnes âgées, qui s'en sortent. Eh ouais, s'en sortent. D'ailleurs, il y a des témoignages à la télé. Sur YouTube, sur partout. Il n'y a qu'à chercher. Il n'y a qu'à chercher. Bonjour Mohamed. Il n'y a qu'à chercher. Il y a des témoignages partout. Et donc, voilà, c'est juste une très mauvaise coordination au niveau du système. Mais bon, c'est pas que c'est une mauvaise coordination au niveau du système. En fait, eux, ils se coordonnent très bien. Hein. C'est juste que nous, ici en bas, le peuple, on n'est pas complètement cons non plus. Hein. Donc, on se bat. On se bat avec les armes qu'on a et sans trop contourner les lois, histoire de ne pas jouer leur jeu et puis de rester bien comme il faut au taquet. Hein, au taquet. Pour. Pouvoir apprécier la lumière du nouveau monde qui va venir, parce que ça j'y crois dur comme fer, hein. Ça j'y crois dur comme fer, hein. Que tout va se casser la gueule et que il va y avoir autre chose. D'ailleurs, c'est pas compliqué, pour juste entre parenthèses comme ça, quand j'étais en course ce matin, j'ai été à Auchan puisque j'ai rien trouvé ailleurs. J'étais à Auchan, bon, il y avait pas mal de rayons qui étaient vidés. Je n'ai pas fait gaffe hein, si c'était les pâtes ou les conserves. Bon, moi, j'étais direct faire ce que j'avais à faire. Je suis partie. Auchan, ce n'est pas un jardin d'enfants ou un jardin pour se promener. C'est juste pour faire les courses. Donc, moi, je prends mes trucs dans ce dont j'ai besoin et je pars. Ce que je voulais dire, c'est que. Qu'est-ce que je voulais dire concernant Auchan? Il y avait toujours autant de monde que d'habitude, rien n'avait changé, comme en temps normal. Et j'avais un truc à vous dire au sujet d'Auchan, en dehors que les rayons étaient plus ou moins vides. Enfin bon, ça me reviendra ou pas, de toute façon, c'est pas grave. Je vous ai posté aussi une vidéo. Se soumettre, se mettre debout, conversation du lundi. C'est quelqu'un que j'ai découvert il y a très peu de temps, mais qui dit pas mal de vérité. Et je vous conseille vraiment d'aller le voir, parce que, enfin d'écouter ce qu'il dit, parce que pour pas, non, pas qu'ils ne croient pas, Maria, qu'ils ne croient pas, voilà. Pour ceux qui ne croient pas que derrière ce confinement, il y a un grand nettoyage qui se fait à l'heure actuelle dans le monde,
Ben, il y a des gens comme ça qui sont là pour vous le dire. Parce que moi, je sais pas. On m'a pas donné l'autorisation de le faire, mais bon, je l'apprends, hein, je l'apprends. Et donc, voilà. Je vous ai opposé aussi un truc sur une fois sorti. Une fois sorti du confinement, vous allez faire quoi, vous? Hein? Et moi, je serais curieuse de voir ce que ça va donner la sortie du confinement. Est-ce qu'on va nous déconfiner comme on nous a confinés, c'est-à-dire commencer par le nord en décembre? Ou est-ce qu'on va déconfiner tout le monde en même temps? Oh, bah alors là. Ah, bah pour le coup, c'est le coup de rester confiné, hein, parce que pendant une semaine ou un mois, il ne faudra pas sortir. Hein, ça va être le branle-bas de combat. Hein. C'est un joli bordel dehors, hein, ça, il n'y a aucun souci. Hein. Bah, j'ai posté aussi la vidéo sur les hôpitaux qui sont vides, avec toutes les infos venues du monde entier qui vous disent que les hôpitaux sont vides et que même si c'est vrai que ce virus est très contagieux et peut mettre à mal pas mal de monde, bah, il est peut-être pas aussi dangereux que ça. Et puis des virus, vous en avez tout le temps. Hein. Vous avez le virus de la grippe saisonnière qui lui évolue tout le temps, hein, il change tout le temps, il change tout le temps, il change tout le temps. Donc quand on vous fait des vaccins, hein, on vous fait des vaccins pour le virus de la grippe. Et au final, on se dit bah, on va en faire en plus pour l'année prochaine. Sauf que l'année d'après, il est encore muté. Donc celui de l'année d'avant, il sert plus pour l'année d'après. Bah non. Donc il faut en refaire d'autres. Bah ouais. Et entre-temps, bah, les plus fragiles, comme d'habitude, meurent d'une grippe. Voilà. De complications dues à la grippe. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça tout le temps. Et c'est comme ça. Et c'est dans ce monde-là qu'on vit. Et c'est génial parce que personne ne veut y croire et c'est top. Alors, j'ai aussi posté une vidéo. Alors, elle m'a fait rire, mais alors, et pourtant, elle aurait pas de quoi. Elle aurait pas de quoi faire rire. Mais, sérieux, elle m'a fait rire à un point que vous pouvez pas imaginer. C'est comment il s'appelle? Enfin, c'est quoi sa chaîne? Je m'en souviens plus. Attendez, je vais voir. Sa chaîne s'appelle. Alors, j'ai arrêté le son avant que. Voilà. Non, j'ai dit j'ai arrêté le son. Voilà. Ça s'appelle OVNI Extraterrestre Complot, la chaîne. Si vous pouviez savoir les choses qu'il dit. Alors, je suis pas en accord avec tout. Hein. Je le dis tout de suite. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais alors, sa dernière vidéo. Enfin, c'est. La dernière, on l'a lui a supprimé du YouTube. Peut-être que ça plaisait pas, hein, parce que il parlait de la 5G et il parlait de la chloroquinine. Et ça va plus, ça va plus du tout. Du coup, comme YouTube, d'où la raison de mon lapin blanc aussi, hein, YouTube a décidé de faire le ménage, si j'ose dire. Sur toutes les vidéos qui n'allaient pas dans le sens de YouTube, donc dans le sens du système. Et comme là, bah, il a donné des infos concernant la 5G et la chloroquinine, forcément, sa vidéo a été bannie. Du coup, il en a fait une à contresens. Je vous dis pas ce que c'est un contresens. Vous devez le savoir ce que c'est un contresens. La seule chose que je vais vous dire, c'est que ben donc c'est la chaîne OVNI Extraterrestre Complot et que il vous parle de l'information sur les crop circles by ECE. OEC, pardon. Et au début, ça parle pas du tout de ça.
Non, au début, ça parle pas du tout de ça. Ça parle d'autre chose. D'où je vous dis que j'ai beaucoup rigolé parce que quand on connaît l'homme, quand on connaît le monsieur, et qu'on voit ce qu'il dit dans la première partie de sa vidéo, ben vous allez juste exploser de rire si vous comprenez ce qui se passe actuellement. Voilà. Et je la conseille à tout le monde parce que, au final, peut-être qu'en faisant du négatif, vous allez y voir du positif. Peut-être qu'en niant les choses, vous allez peut-être, ça va peut-être vous pousser à vous dire, mais si cette personne qui a l'habitude d'ouvrir sa grande bouche et qui du coup, bah, elle va à contresens de ce qu'elle dit d'habitude, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Hein? C'est comme si moi, tout d'un coup, je vous disais, oh, mais non, tout ce que je vous ai dit, j'y crois pas du tout, c'est pas du tout vrai. Le système ne veut que notre bien, il fait tout pour nous sauver la santé. Ben ouais, à un moment donné, il faut arrêter de tout mettre sur le dos du système, hein, parce que le système, il veut que notre bien. Hein. Ben ouais, les impôts, c'est pour que on puisse avoir des choses propres autour de nous, pour qu'on puisse avoir des autoroutes correctement, pour pouvoir payer plein de choses. Hein. Et vous me croirez si je vous dis ça? Sérieux? Ceux qui me connaissent, vous me croiriez? Ah, ouais, voilà. Donc, à contresens, la vidéo. Mais si vous voulez passer un bon moment, n'hésitez pas. Alors, j'en ai posé une aussi de Philippe Jandroc. Ouais. Alors, à vous dire que Monsieur Philippe Jandroc, ça fait pas longtemps que je commence à m'intéresser au personnage. Parce que c'est un chercheur, et du fait que c'est un chercheur, il prépare ses vidéos à l'avance, les trois quarts du temps. Donc, il lit ce qu'il écrit, et c'est très bien, hein, il n'y a rien contre, mais il y a des fois où c'est lourd. Bon. Mais là, pour le coup, et ça ne met en aucun doute le travail qu'il fait. Hein. Je ne conteste absolument pas le travail qu'il fait. Il fait un très bon travail d'information, etc. Moi, c'est juste sur la longueur parce que je ne suis absolument pas patiente. Et donc, je passe un petit peu de temps en temps ces vidéos. Mais celle-là, elle est vraiment top. Elle est topissime. Elle s'appelle Le corps arnaque. Tout est dedans. Et vous verrez que elle est. Enfin, si vous avez la curiosité, l'envie d'y aller, ben, je vous conseille parce que c'est vraiment top. Vous avez des témoignages aussi. Alors, Benjamin Fulford a posté une vidéo le 6 avril qui est absolument qui me semble vraiment très 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 vrai qui sonne pas mal en moi, mais néanmoins j'ai un problème avec le personnage. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Quand on voit une photo de lui, il a un regard de tes filles, là, regarde. Alors, je me pose la question, qui est-ce qu'il défie avec son regard? Est-ce que c'est nous, la population, qui défie avec son regard? Ou est-ce que c'est les élites qui défient avec son regard? Parce que le bonhomme a quand même quelques casseroles derrière lui. Alors oui, je sais que des fois, pour sortir la vérité, il faut serrer les paluches du camp adverse, histoire de bon. Mais quand même, je sais pas, je raisonne pas ça. Il y a un truc chez lui qui colle. Il y a un truc chez lui qui colle pas. Pour moi, hein, pour moi, hein, pour moi. Il y a un truc chez lui qui colle pas. Voilà. C'est un peu comme la méditation du 4, 5, du 5 avril. Voilà. C'était peut-être de très bonnes intentions, mais...
pas. Voilà, ça collait pas. Alors, pour information, j'ai changé ma page parce que j'ai trouvé, enfin ma page, non pas ma page, ma photo de profil, ouais. J'ai changé parce que j'ai trouvé que elle collait plus avec ce que je suis en train de devenir, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de vous dire la vérité sans trop vous choquer, sans trop vous interpeller, et donc. L'image y a écrit dessus, quand tu lances la flèche de la vérité, n'oublie pas de tremper la pointe dans du miel. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire de vous dire la vérité, mais de l'englober quand même un peu, histoire que vous ne partiez pas tous chez votre psychiatre pour demander des antidépresseurs, parce que tout juste ce que vous vivez, c'est juste un film d'horreur plus qu'un film de science-fiction. Voilà. Et puis nous avons aussi le système, enfin le système, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Va te coucher, Maria. L'univers qui nous envoie un très beau message. Et ce message, c'est: j'avais besoin de te mettre dans une situation inconfortable, sinon tu n'aurais jamais changé. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça vous parle par rapport à ce qu'on vit là actuellement? Est-ce que cette situation, ah ben pour moi, elle me dérange absolument pas. Ah ben personnellement, c'est pas la situation qui me met inconfortable. Mais est-ce que vous ne pensez pas que effectivement, on avait besoin de ce moment pour voir les choses? Est-ce qu'on n'avait pas besoin de ce moment pour voir les choses, pour comprendre les choses et pour voir ce qui se passe derrière? Ah, j'ai vu qu'il y avait un poste de QAnon. Alors, à vous dire que je suis sur QAnon France sur Facebook, mais que je suis aussi sur QAnon France sur VK, la plateforme qui ressemble à Facebook, mais sur VK. Donc, sur VK, vous pouvez poster à peu près toutes les vérités qui sortent, parce que ils ne font pas de restrictions à l'information. Non, et ils restreignent pas l'information, en tout cas pas autant que Facebook. Et je trouve que c'est une bonne chose. Là, je suis donc sur le site de QAnon France. Bon, alors à savoir que sur QAnon France, c'est quelque chose qui est très bien, mais il y a des trolls, forcément. Puisque QAnon France est là pour vous annoncer la vérité, il serait quand même bienvenu que quelques trolls viennent nous faire baisser les énergies de cette vérité, parce que la vérité, quand on l'accepte telle qu'elle est, fait monter les énergies et fait monter les vibrations. Bah, bien sûr, parce que le savoir, quand on sait, hein, bah, on peut mieux se défendre. Et quand on peut mieux se défendre, on se laisse plus mener par le bout du nez. Le but de QAnon. Et donc, les trolls sont là. Soit c'est des jeunes imbéciles qui n'ont rien d'autre à faire que de venir casser les bonbons. Sur un site correct, soit c'est des gens qui sont carrément payés pour venir pour mettre la poutre sur ce site. Et vous les reconnaissez très bien, hein? Hein, on peut très bien les reconnaître, hein? C'est tous ceux qui sont jamais d'accord. Ah, ils sont jamais d'accord. Non, ils sont jamais d'accord. On va leur prouver par A plus B que ce qui est dit sur QAnon. Ça, les choses sont vraies, on va leur donner les sites, voire même on va leur mettre en relation, on va leur donner les sites qui sont en relation directe avec la Maison Blanche, histoire que ce soit bien cadré quand même, que l'information soit bien là, bien, hein? Eh ben, ça marche pas. Et ils sont toujours dans le ouais, peut-être, et ça. Ouais, mais ça, c'est pas normal. Ouais, mais ça, c'est pas normal. Ouais, mais nous, en France, on devient quoi? Mais putain, bon sang de Dieu, mais merde! Battons-nous! Battons-nous!
Il faut peut-être penser à devenir indépendant. Il faut peut-être penser à penser de nous-mêmes. Il faut peut-être quand même se dire qu'on est des adultes, hein, et que ça suffit. Ça suffit d'être pris pour des cons. Ça suffit d'être pris pour des cons. Bon, là, j'ai enlevé un peu du miel qu'il y avait au bout de ma flèche, hein, pardon, hein. Mais à un moment donné, stop, quoi. Arrêtez de croire que le monde tel qu'il est parfait. Ah, il est peut-être parfait pour vous, c'est très bien. Mais venez pas emmerder ceux qui pensent qu'il ne l'est pas. Il y a des gens comme moi qui pensent que le monde n'est pas parfait, qu'il ne devrait pas être comme ça, et que ça ne devrait pas se passer comme ça, et qu'on ne devrait pas vivre en tant qu'esclave dans ce système. Alors, bah, si vous n'êtes pas d'accord, faites votre groupe. Allez emmerder, allez vous mettre dans des groupes qui prônent le système, qui sont pour le système actuel, et foutez-nous la paix. Est-ce qu'on va vous enquiquiner? Non? Alors foutez-nous la paix. C'est notre délire. Eh bien, c'est notre délire. Et alors, ça emmerde qui que ce soit notre délire. Si nous, on a envie de voir la paix plutôt que la souffrance, si on a envie de voir le bonheur plutôt que le malheur, si on a envie de voir l'amour plutôt que le désamour, si on a envie de voir le partage et toutes les bonnes choses pour cette terre plutôt que la destruction, c'est notre droit, non? C'est notre droit. Donc, foutez-nous la paix, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, on vous dit que le... Il y a vraiment du... Il faut vraiment... C'est malheureux parce que c'est un site qui se veut vraiment très... Comment dirais-je? Un site qui se veut très positif, qui vous apporte plein de bonnes nouvelles et tout. Et il y a des gens qui viennent le détruire. Et moi, je trouve que c'est juste... Pardon, n'importe quoi. Et voilà. Mais ça, c'est une fake news. Alors, on dit pendant ce temps, accusé de pédophilie, le cardinal Pell a été acquitté puis libéré. Sauf que l'information vient d'un site qui n'est pas sûr. Donc, même pas en tenir compte. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, les gens commencent à revoir des chanterelles dans le ciel. Ici, on n'en a pas trop. Alors, quel est le but des chanterelles? Surtout maintenant. Et puis, il y a la patience des gens aussi. Il y a l'impatience des gens aussi parce que vu que les choses sont en train de bouger en Amérique, ils voudraient que ce soit aussi rapide ici. Oh les gars! Oh les gars! Stop! Chacun son tour, hein, comme à la confesse, hein, j'ai envie de dire. Hein. Notre c'est déjà en cours hein, d'ailleurs. Hein, il y a des avions qui sont là pour maîtriser certaines choses. Il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place, donc un peu de patience. Ça fait des milliers d'années que vous vivez, enfin que nous vivons dans l'esclavage et dans la, nous vivons dans l'esclavage et dans l'obscurantisme. Vous croyez qu'en un claquement de doigts, on va retrouver un paradis sur Terre? Mais sûrement, mais bien sûr que non. Et puis, va falloir le mériter, ce paradis sur Terre. C'est-à-dire qu'il va falloir montrer qu'on est d'accord. Qu'on est d'accord avec le fait que on ne veut plus de ce système, qu'on ne veut plus de tout ça. Et que forcément, il y a. Il faut le montrer. Et c'est pas juste dire, ah ouais, mais moi je veux, moi je veux, moi je veux, moi je veux. Mais non! Il faut le montrer par des actes. Il faut le montrer par des actes. Au quotidien, tous les jours. Il faut le montrer. Il faut montrer que oui, on veut un monde meilleur. Mais ça, il faut le montrer.
C'est-à-dire que, quitte à faire de la désobéissance citoyenne, faites de la désobéissance citoyenne. Il y en a qui le font. Je ne vous pousse pas à le faire, hein. Attention. Loin de moi l'idée de pousser à faire quoi que ce soit en ce moment même, hein. Mais le truc, c'est que si vous ne faites pas de la désobéissance citoyenne, il n'y a rien qui va changer. Faut pas se leurrer, hein. Alors, je jette un petit peu un petit coup d'œil sur Ah, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux attends, c'est qui? Régiel, mais Régiel, alors déjà ton message. Alors, je ne peux pas, je ne peux décemment pas répondre à un message que je n'ai pas. Je vois en poste parce que comme j'ai le téléphone, je ne vois pas tout ce que vous me postez. Donc, c'est bien de me dire, regardez votre Messenger, mais sur mon Messenger, tu n'apparais pas. Donc, si tu pouvais être plus clair et plus concis, ça m'aiderait. Hein, ça m'aiderait, sérieux, ça m'aiderait. Parce que j'ai beau regarder, hein, je vais faire une réinitialisation de ma page sur l'ordinateur. Attention, vous allez peut-être être coupé. Ça sera de ma faute. Ça, c'est pas le système. Et donc, je vais revoir ce qui se passe sur mon Messenger parce que, à première vue, ça avait quand même un rapport avec la vidéo. Eh ben non, je n'ai rien. Alors, comment? Regiek Jamel qui me dit salut SVP. Consultez votre Messenger pour répondre à mon message en privé, merci. Hein? J'en ai pas un message. J'en ai pas. Non, je ne peux pas répondre. Okay, non. Moi, je réponds que. Je réponds qu'à ce que je vois. Ce que je vois pas, je ne peux pas répondre. Pourtant, je cherche. Parce que ça, autant ça peut être intéressant pour tout le monde. Mais là, à moins d'aller faire une recherche plus approfondie sur les messages. Non. Désolé. Désolé. Désolée, et comme je n'ai pas accès à mon téléphone, forcément, ça risque de poser un problème. Voyons voir ce que ça dit. Régègue. Rassurer. Ah, c'est cool, ça, il n'existe même pas. Reg Jamel. Ah si, pardon. Toutes mes excuses. Ce monsieur existe. Ah, il existe, mais je n'ai absolument aucun message. Alors, ça serait cool que ce monsieur me. Comment il veut que je réponde à ça? Enfin, cherchons pas à comprendre. Toujours est-il que voilà. Ce que j'avais à vous dire, donc, premièrement, ce n'est plus une nouvelle étape, c'est suivez le petit lapin blanc ou pas. Voilà.
Ouais, parce que il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui se font ou pas, et les gens sont impatients parce que les gens ils disent et nous, on n'a qu'à commencer à faire quelque chose, ça serait vraiment bien en fait, hein? Est-ce que vous croyez sincèrement que vos masques vous servent à quelque chose? Sérieux? Est-ce que vous croyez que vos papiers vous empêchent d'attraper la maladie? Sérieux? Est-ce que vous pensez que les gants en plastique qu'on vous donne, ou ceux qui ont la chance d'en avoir, peuvent vous empêcher d'attraper quoi que ce soit si la maladie est si grave que ça et si les hôpitaux sont aussi débordés que ça? Est-ce que vous croyez à tout ça? Alors moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est que à un moment donné, je comprends ce que certains d'entre vous vivent et je comprends que ce soit très à ces temps actuels pour vous, surtout si vous, nous, ça nous est tombé dessus comme la misère sur le pauvre monde, ce qui est le cas d'ailleurs, hein, mais j'invente rien, c'est ce qui se passe. Donc, comme la misère sur le pauvre monde, et qu'on ne s'y attendait pas, certains voyaient le coup venir, ont vu le coup venir. Je dirais pas que j'ai fait partie du lot, hein, mais bon, quand même. On ne s'attendait pas, sérieux, qu'on nous mente sur une maladie pareille. Alors que ici, en France, attendez, attendez, parce qu'il faut quand même remettre les choses en place, hein. On est comment en France? On était considéré comme un des pays les mieux organisés et les mieux au niveau médecine. Hein? Il y a des gens qui faisaient, même des Américains qui venaient en France pour se faire soigner, tellement la médecine en France était efficace. Et qu'elle était bonne. Maintenant, les gens qui sont malades ici sont obligés de se barrer ailleurs parce que la médecine ne vaut plus rien. Elle vaut plus peanuts. Il n'y a plus rien dans les pharmacies. C'est à se demander où sont passés tous ces gens qui faisaient tant de bien ici. Où est-ce qu'ils sont passés? Ils sont peut-être partis dans un pays qui les a acceptés davantage et qui, au final, vise autre chose que la fin de l'humanité. Peut-être. Je sais pas. Donc voilà, à partir de maintenant, le petit lapin blanc, je vous tiendrai au courant de ce que dit mon petit lapin blanc. Ouais. Parce que moi, je le suis, le petit lapin blanc. Ouais. J'aime bien suivre les petits lapins, je trouve ça mignon. Trop mignon. Ouais. Puis, vous savez, ils font des terriers. Hein? Allez savoir ce qui se passe sur Terre. Allez savoir. Si vous saviez. Bah ça, le petit lapin vous le dira peut-être un autre jour, peut-être pas. Après tout, vous pouvez. Vous avez tous Google, vous avez tous Internet, les trois quarts des gens, enfin les gens qui ont entre 19 et. Peut-être même avant, hein. Entre 19 et 60 ans, bon sang, allez, 60, allez, on descend, 50. Vous avez tous Internet, vous êtes tous capables de faire des recherches, faites-les, faites-les. Si les gens qui sont là pour vous donner les informations, si vous ne les croyez pas, faites vos recherches vous-même. Parce que ce qui est bien, c'est que vous attendez de voir arriver les choses, hein. Vous attendez le journal avec impatience. Vous attendez de lire les journaux le matin avec impatience. Des journaux qui ne vous racontent que des conneries, hein, soit dit en passant, qui ne vous racontent que des conneries les trois quarts du temps. Donc vous attendez ça avec impatience plutôt que d'aller faire vos recherches vous-même. Par contre, vous êtes sur votre ordinateur en train de faire des jeux, de faire des trucs. Stoppez vos jeux 5 minutes, faites des recherches. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Et puis au moins, vous prendrez moins les autres, ceux qui essayent de vous aider, ceux qui essayent de vous montrer
de vous soulever un peu le voile de la vérité, puisque personne ne sait, mais on a des bribes. Donc quand on a des bribes, on les fait partager. Si vous ne croyez pas les gens qui vous font partager quelques bribes de la vérité qui se passe actuellement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Allez chercher par vous-même. C'est ce que je vous dis. Allez chercher par vous-même. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur ma page. Hein. Attends ou avance. D'ailleurs, je fais le live dessus. Donc. Et puis vous avez juste à dérouler. Puis vous verrez tout ce que je vous ai posté. Voilà. C'est tout ce que j'ai été pêché à droite et à gauche. Voilà. Qui semble intéressant. Or, je sais pas. Je sais pas si je vais être gentil ou pas. Si je suis gentil, je vous mets des liens pour que vous n'ayez pas à les chercher. Si j'ai envie de vous laisser chercher, je vous laisserai chercher. Je sais pas. Parce que là, le live que je suis en train de faire, je vais le mettre sur YouTube. Et donc, je vais faire préparer les tutos. Et peut-être qu'en préparant les tutos, je me dis, ouais, allez, mets les liens que tu as sur ta page, ça peut aider. Ou alors, je me dis, oh, et puis zut, hein, ils sont grands aussi, hein, un peu d'indépendance. Hein. En ce moment, on est en train de faire, on est en train de pousser mon fils à devenir indépendant. Il a 8 ans, à pouvoir se battre de lui-même, à faire des choses. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais si quand même quelque part, pendant le confinement, il a appris à faire une mangeoire à oiseaux et à faire un nid pour les oiseaux. Comme hein? Du coup, bah, il sait se servir de certains matériaux, il sait se servir d'un marteau sans se cogner sur les doigts, il sait se servir d'une visseuse défisseuse sans s'enfoncer sur les doigts. Merci papa et merci le confinement, parce que du coup, bah, même les jeunes deviennent indépendants, même les gens apprennent, même les jeunes deviennent créatifs. Alors, hein? Si au final vous croyez pas ce qu'on vous dit, eh ben devenez créatif vous aussi, devenez indépendant et allez faire vos recherches, allez voir ce qui se passe. Je vous assure, hein, hein, prenez un paquet de pop-corn, hein, ou des bonbons, ou une tablette de chocolat. Ouais, une tablette de chocolat, c'est bien, mais du noir, hein, du chocolat noir, même si vous aimez pas le chocolat noir. Ouais, ça calme le stress, le nerf, les angoisses, ça calme tout. Hein. Voilà. Ben écoutez. Très contente d'avoir passé encore ce petit moment avec vous, très heureuse, et bah, je vous dis à bientôt, hein, peut-être à demain, peut-être pas, je sais pas, ça dépend, peut-être que demain je vous ferai qu'une vidéo et pas de live, ça dépend des commentaires que j'aurai suite à ce live, voilà, ça dépend s'il y a des questions qui se posent. Ah oui, je voulais vous dire, ceux qui ne sont pas là, là maintenant, qui regarderont, enfin je vais m'adresser à ceux qui regardent, parce que ceux qui ne regardent pas, ça, ils s'en fichent. Mais ceux qui regardent, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Hein, parce que ah, Reggae Jamel, c'est bien. C'est gentil, mais tu m'as dit d'aller regarder sur Messenger, mais j'ai pas trouvé, j'ai pas vu ce que tu voulais dire, donc désolé. Et puis là, je suis sur téléphone et je vois pas du tout ce que tu voulais dire, mais je te remercie. Je te remercie de prendre acte que je fais des efforts. C'est gentil, merci beaucoup. Ben voilà, donc je vous disais, si vous avez des questions à poser ou si vous avez des choses qui vous interpellent sur, sur ce qu'on vit actuellement, je ferai de mon mieux pour y répondre. Je n'ai pas toutes les réponses, comme personne d'ailleurs, personne n'a toutes les réponses, personne. Il y en a qu'un qui a toutes les réponses, il n'y a qu'un être, un être d'énergie, de lumière qui a toutes les réponses, nous on ne les a pas. On les a au fur et à mesure, si on fait confiance.
et si on est patient. Et si, si on montre qu'on veut aller dans la bonne direction en aidant et en partageant. Voilà. Donc, je vais pas faire le coup de la pilule, hein, parce que j'en ai pas là sous la main, mais j'ai du rouge. J'ai du rouge. Alors, laquelle vous choisissez? Ah, vous pouvez aussi choisir de suivre le lapin. Qui vous donnera des solutions, qui vous donnera des réponses. À vous de voir. Allez. À ciao, bientôt. À bye bye. Et surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, hein. N'oubliez pas, hein. Et le confinement, autre que le virus, est important pour des choses qui se passent et que vous n'êtes pas prêt de voir. N'oubliez pas ça. Allez, bye.